Un domicile service donc mise sur la proximité pour apporter un service de qualité. Cette proximité, elle passe par une équipe de terrain et par une antenne locale. Cela change vraiment la relation du quotidien et ce sont des plus qui sont très appréciés à la fois des salariés, puisqu'une antenne c'est un lieu d'accueil où le responsable de secteur est à leur écoute. Et dans ce secteur, nous avons des clients bénéficiaires et des intervenantes à domicile. Et en fait, c'est de coordonner les interventions sur ce dit secteur. Ça va ? Moi, je me suis mis en dessous du capitaine de bord, ouais. Qui a cru en moi. Et ouais, voilà, et avec toutes mes collègues qui m'aident aussi. Moi aussi, on fait toute partie d'une même équipe, on avance dans le même bateau, dans les... Dans les bons et les mauvais moments, et on sait qu'on peut compter sur l'une et l'autre. Et voilà, donc une équipe soudée, faite pour avancer. D'accord. Je trouve qu'on est très soudés, très unis, très liés, très... Et moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est... on est un petit peu le soleil de l'association. Puis avec notre responsable aussi. Un bel échange, on sait qu'elle est là, qu'on peut compter sur elle. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle et elle est à l'écoute. Et puis même si elle n'a pas pu répondre tout de suite sur le moment parce qu'elle est, voilà, elle est occupée, avant qu'on l'a appelée, elle nous rappelle pour savoir le pourquoi. Valoriser le métier d'aide à domicile, c'est aussi mettre en avant l'accompagnement. L'accompagnement, c'est agir auprès de la personne dans toute sa vie quotidienne. Et c'est important que par cet accompagnement, le métier d'aide à domicile soit connu, reconnu et valorisé. Pas roulette sous la table. Chaque personne est différente. Et puis, d'apporter quelque chose à la personne au quotidien, c'est beau. On tisse beaucoup de liens avec ces gens parce qu'on a beaucoup de retours positifs. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Encore elle, hein ? Vous n'osez pas le dire. Mais vous avez le droit. Allez-y. On travaille avec des personnes, avec des humains, c'est pas des machines. Donc, et comme disait M. Borgnia, nous, on ne robotisera jamais. On ne sera jamais robotisé. Sinon, je changerai de métier. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc, dans le cadre de la politique senior de la ville d'Oyonnax, nous avons souhaité à un moment mettre en place un dispositif pour répondre à un manque qui nous était remonté par nos différents partenaires, à savoir l'accompagnement spécifique des personnes, mais pas que l'accompagnement en tant que tel, plutôt sur un accompagnement bienveillant et professionnel. Le service d'accompagnement véhiculé prend énormément de place. Du fait qu'ils doivent fonctionner de 8h à 20h du lundi au vendredi et avec un délai de 4 jours de prévenance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il me semble nécessaire de dédier 2 ou 3 intervenantes à domicile pour faire en sorte que le service fonctionne de façon cohérente. Et il y a eu des relations de proximité aussi avec la coordinatrice senior de notre service, du service social. Voilà, dès qu'il y a un petit souci qui est repéré, le lien se fait, appel téléphonique, et ensuite on voit comment on peut traiter la spécificité ou la problématique qui est repérée. L'avantage d'un domicile service qui est sur le territoire, c'est qu'on peut se rencontrer, on fait des bilans, ça nous permet de réajuster le dispositif. Donc efficacité et réactivité, c'est ce qu'on voulait pour ce dispositif. Actuellement un projet important qui est de dédier vraiment une équipe à un pool de bénéficiaires, de
faire en sorte que chaque domicile soit référente d'une personne, ça présente un double avantage. Le premier, c'est de valoriser ce métier qui est mal connu, mal reconnu. C'est de responsabiliser les équipes donc, par rapport aux personnes que nous aidons et que nous accompagnons. La proximité, c'est aussi outiller nos aides à domicile pour qu'elles puissent exercer dans de bonnes conditions. Il y a des tutorats qui sont mis en place, hein, et ça, ça fait beaucoup de bien. On nous propose des formations, donc c'est des formations qui sont quand même enrichissantes. L'association à domicile service a ouvert un nouveau bureau à Montréal-Lacluse. La responsable de secteur est en place le lundi et le vendredi, et un mercredi sur deux. Le bureau de Montréal-Lacluse fait en sorte que la proximité avec d'autres partenaires est possible sur le territoire. Il faut se rapprocher des partenaires, il faut se rapprocher des clients, il faut se rapprocher des aides à domicile, ce qui fait que je suis disponible aussi bien pour les uns que pour les autres.